me surprend dans cette rencontre de Jésus avec Zachée, c'est l'empressement que Zachée a eu de faire entrer Jésus chez lui. Dès que Jésus lui dit, Zachée, descends, il faut qu'aujourd'hui j'aille chez toi. Dès ce moment-là, il semble que Zachée est prêt. Il est prêt, il invite Jésus et Jésus maintenant va faire partie de sa vie. Êtes-vous aussi empressé que Zachée d'inviter Jésus, de le recevoir maintenant comme votre sauveur personnel? Peut-être que vous êtes prêt, peut-être que vous dites, oui, moi aussi j'aimerais que Jésus vienne chez moi. Vous savez, ce verset que nous avons lu à la toute fin, j'aimerais vous le redire, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20, où Jésus dit, « Je me tiens à la porte et je frappe. » Peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que depuis quelques semaines, vous entendez la voix de Jésus, vous entendez la main de Jésus qui frappe à la porte de votre cœur, mais vous n'avez pas encore ouvert la porte, vous hésitez. Mais la Bible dit, « Maintenant, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. » Et vous voulez ouvrir votre cœur à Jésus, le recevoir, et vous ne savez pas trop comment faire, eh bien, je vais vous aider. Premièrement, reconnaissez que vous êtes pécheur. Vous avez besoin de Jésus. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, croyez que Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour vous. Christ est mort à la croix parce qu'il vous aimait et il a porté vos péchés et il a réglé définitivement le problème du péché en ce qui concerne votre vie. Troisièmement, accueillez-le comme votre sauveur. Comme Zachée a ouvert sa maison à Jésus, ouvrez-lui votre cœur maintenant et dites-lui, « Seigneur, viens dans ma vie, prends ma vie. » Et fais de moi ce que tu veux. Et vous allez voir qu'il va venir et qu'il va transformer votre vie.